Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Shina qui est en train de jouer à Wartale. Bonsoir. Bonsoir. Shina, t'es tout le temps pris en otage. Pauvre gars, il est là, il me dit bonjour, comment ça va? Oh bonjour, bienvenue en compagnie de Shina. Bref, le gars se fait agresser instant. C'est quoi? C'est quoi là que tu tournes ce coup-ci? J'ai des pierres ici, j'en voudrais plus. Mais pour ça, il faut une potion. De quel genre de potion avez-vous besoin? On a décaissé une grotte pleine de gaz explosif. Pas possible d'allumer une torche, sinon tout va exploser. La grotte est sombre, pas possible de trouver, de continuer à creuser. En échange d'être face aux ténèbres, je peux apporter plus de pierres. Et ouais, ils sont un peu russes maintenant. Alors t'as trouvé le jeu? Je sais pas, une potion explosive ou une potion de feu? Une potion de s'explosion. Je crois que j'ai trouvé le jeu, non? C'est pas dit. Tu ne l'as pas dit à YouTube. YouTube ne peut pas te croire. Ah, je peux pas la faire. Je ne le dirai pas. De grenades d'extermination d'égout. Je peux pas lui faire non plus. Ah, je peux rien faire. Ah putain, elle coûte trop cher cette popo, sa mère est un gangster. Comment? Bah, je vais lui faire l'ancienne. Hein. Je vais lui faire ça à l'ancienne. YouTube, on part sur un petit truc. À l'ancienne, bien t'as vu. Ça descend. Est-ce qu'il y a moyen de trouver des trucs qui vont genre à gauche là? Ouais, c'est un peu chelou, hein. C'est un peu... Mais ça me fait un peu rire aussi. Donc ça me va. Allez, je trouve ça un peu rigolo. Oui, YouTube, je vais faire le truc en entier. Parce que je trouve ça un peu drôle. Avec ma sourire en souffrance, hein, bien sûr, hein, sinon c'est pas si drôle. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est marrant ça. Ça, c'est marrant, c'est marrant. La souris est toujours en souffrance? Ah ouais, de ouf. Oui, on va se mettre ça là, on va se le broyer un poil. Voilà, c'est tout. Ça passe déjà ça? Ah. Déjà. Les potions du drame que je suis en train de faire. Ok, non, c'est pas ce qui nous arrange. Ah, ça nous intéresse un petit peu, mais pas trop quand même. Ça a l'air d'être un peu dangereux cette histoire. Ou alors, il faudrait que je fasse ça vite fait. Voilà. Into. Ah oui, mais il va pas vouloir tant que c'est pas au bout. Ah, c'est chiant. Oh, c'est de la merde. Du coup, j'ai niqué ma potion, là. Ah non, pas encore. Ok. Ça se passe bien. Je m'en nickel. Oui, bon, on bricolera des trucs, hein. Ah, on pourrait s'envoyer ça aussi, hein. Ouais. Mets-toi directement là-dedans. Et... Où est-ce que tu es? Tu es ici. Pas mal. On va tous broyer. Hop. Et l'idée, c'est de le ramener sur la ligne. Le touillage, hein. Elle est parfaite. Elle est incroyable. Trouvons-lui un petit design un peu explosif. Voilà. Une étiquette qui s'est fait un peu cramer. Voilà, parfait. Un feu orangé, un peu de braise, un peu chaud, quoi. Potion d'explosion. Je vais l'appeler disruptive, voilà. Oula, Disruptive.
Ne pas être en face de son clavier, c'est compliqué, hein, des fois. On va se mettre cette étiquette un peu de traviole. Un peu plus comme ça, parfait, elle est magnifique. Je voudrais enregistrer cette potion d'explosion supplémentaire. Ce sera que la troisième que j'enregistre. C'est tout. Oh. C'est tout, j'ai rien d'autre. Oh là là. Boum bébé. Quoi? Ah mais non, il me fallait une torche, putain. Il fallait une loupiote. J'ai fait tout ça alors qu'il me fallait juste une loupiote. Une potion de lumière là. Mais s'il vous qu'est-ce plaît. Que tu l'as. Qu'est-ce que tu l'as bien fait? Ploum. Ah de ouf hein. Tiens, c'est donné. Montre-moi ce que tu as en magasin, vile créature. Des rubis de sang. Excellent. On peut aller chercher un niveau 2. Ouais, avec ma souris, je devrais peut-être pas. Hein. Ouais. Ça sera là. Hein. Allez, des bisous. Hein. Au revoir, monsieur. Hein. Vous êtes petit, vous êtes bourrin. J'ai besoin de potion qui m'aidera à grimper au sommet d'une haute falaise plus escarpée. La qualité de la potion m'importe au plus haut point. Vous voulez une potion de... Alors attention, c'est le moment où je vais me gourer. Parle de plus haut point alors qu'il veut une potion. Tu voudrais pas... Oh si, c'est ce qu'elle veut. Oh, une potion de célérité. Oh là, et les potions, elles commencent à valoir du pognon à ce niveau. On va parler météo. Ouais, si tu veux, ouais. Allez, hein, ça passe, ça part comme ça, hein, j'ai pas le temps de réfléchir pendant 1000 ans. Je vais être aussi rapide qu'une tortue. C'est vrai, les tortues sont connues pour leur vitesse. Oh, je n'ai que faire de vos potions faibles. Je ne veux que la meilleure, et je vous paierai grassement. La célérité parfaite? Oh, elle est parfaite. Oh, il veut aller voir des monstres. Le mec est un grand... Oh, putain. Le mec est un grand joueur de Donjons et Dragons. Ouf, allez, ça part. Hein. J'ai besoin d'une sorte d'engrais pour mon jardin. Je suis prête à payer le prix fort pour votre meilleure potion. La meilleure, madame. C'est vraiment la meilleure que vous avez demandé. Je peux vous trouver ça. Paf. La pastèque. 2 étoiles tempères. Allez. Hop. Hop, t'es vaincu, madame. Bonne journée à toi, la bise. Salut, papy. Bonjour, vous voulez des champignons? Ouais, fais péter. Fais péter. Alors ça, je m'en sers pas trop, mais je devrais m'en servir un peu plus. Franchement, en vrai, je devrais m'en servir. Vas-y, en fait, donne tout. Tu sais quoi, grand-père, donne tout. Ça, c'est bien. Champi gobelin, jamais essayé. Je vais t'en prendre 2 pour le fun. Ça, je m'en sers pas, c'est de la merde. Les maras magiques là, ouais, j'en ai 12, je m'en sers pas non plus, c'est un peu nul, mais vas-y, je vais t'en prendre 6, admettons. Oh, ça, je prends tout. Oh, je commence, ça, j'ai tout pris. Ça, j'ai pas réfléchi. Champibou, on en a ou. Vas-y, on en a pas, on va en prendre quelques-uns. Vas-y, 6, c'est rigolo. Ça fait un paquet de pognon, grand-père. Hein. Ah, on va parler weed, hein. Voilà, c'est mieux. Au revoir grand-père, bisous bisous, on a plus de pognon. Je n'ai quasiment plus de mana, je veux du mana. Donnez-moi du mana. Alors du sesque parfait, de vision magique parfaite, de charme parfait, de mana parfaite. J'en ai 2 mon bon maître. Ah oui, le maître, il veut des saucisses le maître. Oh putain. Ma souris, me lâche pas, bro! Ah, elle m'a lâché. Elle m'a abandonné. Pour mon bois de chauffage. Mon bois de... Pardon, tu disais? Je disais, c'est triste qu'elle t'ait abandonné. Putain, mais vraiment, je te jure, lâché. Tout mon bois de chauffage a pris l'eau. Maintenant, je ne vois pas comment lancer un feu dans mon four. Pouvez-vous m'aider à... potion. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah, on s'appelle pas la station essence pour rien, monsieur. Ouais, la spécialité visiblement c'est de fabriquer du carburant chez moi. C'est... Les gens aiment bien le carburant. À l'apéro, c'est pas mal à ce qu'il paraît. Ah, t'as un barde en plus. Un barde qui apprend à allumer un feu. Ça s'appelle Koh-Lanta, ça, je crois. Quoi. Je veux que ma peau soit plus dure. Soit dure comme de la pierre. Blum. Voilà. Le pot de caillasse, monsieur. Certifié véritable gravier, c'est une poudre grise, vous mettez un peu d'eau dedans, un peu de ferraillage sur vous, vous verrez, ça bougera plus, monsieur. Voilà. Négociation.
Ah, tu vas me lâcher un petit bif, cousin. T'as vu les champignons en ce moment dans la forêt? Bien, t'as vu? Allez, hop. Roule ma poule. Je veux qu'une fille m'aime. Oula, t'as aucune chance. Enfin, t'as l'air trop... Enfin, non. En fait, si, mais alors elle est matérialiste sur 20. Genre vraiment, voire même sur 30. Enfin, sur beaucoup. Parce que t'as vraiment la gueule du mec tellement autosuffisant de toi-même que... Ah, en fait, faut juste que je te donne une potion qui... Ah, j'ai compris, monsieur. Vous voulez une potion pour vous transformer en femme. D'accord. D'accord, j'ai compris. Quoi ? Oui, si vous continuez à vous auto-satisfaire à l'infini. D'accord, d'accord, j'ai compris, tu vois. Enfin, essayez de vous bricoler ça, vous inquiétez pas. Même ne regarde même pas. Oui, oui, bah oui, non. Est-ce que vous pouvez aider ? Ouais, ouais. Est-ce que j'ai envie ? Ouais. Bah, ça va que j'ai une potion de charme sous le coude, sinon je t'aurais envoyé péter, quoi. Mais j'en ai une en rabat. On va parler pickles, saucisses, potage, fromage. Il se rapporte au plumage, tout ça, quoi. Allez, bisous, mon gars. Il est auto-satisfait de lui-même de ce que je viens de lui vendre. Un autre alchimiste m'a vendu une potion qui me fait mal à l'estomac et me donne la courante. Vous avez de quoi m'aider à me sentir mieux? Ouais, une potion d'explosion. On sent tout de suite mieux une fois qu'on a fait sauter son alchimiste. Plus cher pour une potion aux effets multiples. Non mais gros, ce sera une potion de... Ça sera une potion de soins classique. Non, Oh mais je veux pas te... Voilà, je veux pas non plus nettoyer le fond de ton pognon. Tranquille, prends cette balle, casse-toi. Bisous, bisous. Bon, somme de la journée, on est plus pauvre qu'hier. Eh ben c'était bien. J'aurai assez de pognon un jour YouTube, hein, je te le jure. Je te le jure, YouTube. J'aurai assez de pognon pour acheter la machine alchimiste. Mais d'ailleurs, je crois que j'ai... Je peux pas faire des œuvres noires ou un truc comme ça, là? Non, non, même pas. Ah, c'est rigolo, ça. Ok. C'est très rigolo. Il y a d'énormes araignées dans ma bibliothèque. Il faut que je les empoisonne, faute de quoi je ne pourrai pas poursuivre mes recherches. Une potion faible pourrait m'aider à résoudre cette situation délicate. Tu veux un petit poison de ta fiole? Bon, je peux te fabriquer ça. Hein. Je crois que c'est par là que ça se passe à peu près. Oui, tiens, regarde. Ah, regarde. Si moi je te régale pas, meuf, qui te régale? C'est ça la vraie question. Là, en un champi, ton problème, il est réglé. Il est certes faible, mais de grande qualité de faiblesse. Hop là. Boum. Oh ouais, termine. Alors par contre, on va te mettre ça dans un petit flacon approprié. Voici une taïbou. Dans une petite étiquette ronde, tranquille. Avec un couteau rose, parce que là, ça donne juste l'indigestion au rat, hein, pas plus. Hein. Ah, termine la potion. Techniquement, les rats, ils font une petite indigestion avec ça. Jusqu'à, ça devrait bien se passer. Vous risquez pas de dissoudre le plancher, quoi. Là-dessus, on est tranquille. Non, même pas. Hein. C'est de la négo de niveau 1, là. Ça n'a aucun intérêt. Voilà, donne-moi 12 balles. Casse-toi. J'ai perdu mon silex. Je ne peux plus allumer mon four. Vous avez quelque chose qui m'aiderait à lancer le feu? T'as quand même conscience, mec, qu'au lieu d'aller t'acheter un silex à une pièce d'or, tu vas en claquer 300, là. C'est un PNJ. Fais-lui payer le prix de la stupidité. 106$ non négociés. Alors, on lui fait payer le prix de la stupidité. Allez, c'est parti. Oh la vache. On est à 141 balles. Wow. Silex lui aurait coûté peut-être 2 pièces d'or, hein. Tout au plus. Hein. Même pas. Même pas des... Bah, s'il était allé chercher son X-Silex lui-même et qu'il trouvait un bout de tôle, franchement, zéro. Ça lui coûtait juste un peu de temps. Mais visiblement, le mec a trop d'argent, mais pas de temps. Je me suis coincé le doigt sans le faire exprès, ça me fait un mal de chien, vous pouvez peut-être m'aider. Bien sûr. Ma deuxième meilleure vente, le soin absolu. Pouette. Qui va chercher un élixir pour avoir un bobo au doigt, quoi? Les bobos au doigt. Les gens qui ont trop de pognon. En plus, elle est habillée comme une clocharde. Alors, imagine tout le fric qu'elle a, quoi. 60 balles. Hein. Bah,
Bonjour, contente de vous voir, j'ai des herbes et des fleurs à vous proposer, comme toujours, faites votre choix, je vais être fauché. Donc dans 3, 2, 1, ok. Non, non, on va être sage. Du bout d'épines, j'en ai combien? J'en ai plus qu'un. Oui, ça, il faut que je restock. Hop, c'est refull. Des scarabées des songes. Alors, c'est un peu de la merde, ça n'intéresse personne. Moi, je me dis... Ça m'intéresse pas mal. Hein. Je les trouve cool, tes petits lauriers du druide, hein, tes romarins du druide. Et puis ça, c'est trop cher. Voilà, c'est largement suffisant. En négociation 3, j'ai aucune chance, là. Hein. Ma souris va me lâcher. Oh, je l'ai dégommé. Au revoir, ma bonne dame. Salut. 2000 balles, on est presque riche, YouTube. Presque. Je m'en suis presque bien sorti. J'ai besoin d'une potion comme bouclier de protection supplémentaire contre différents types de dangers. Bien sûr, monsieur. Vous voulez un pot de béton? Un petit pot de béton. Vous voulez pas plutôt un bouclier? Prenez du béton. C'est pas cher en plus, le béton. Alors vous êtes un garde, donc vraiment, je vais être cool. On va parler aventure, paysage, risques géologiques, les graffitis sur les fontaines, tout ça, hein. Allez, des bisous. La serrure de ma porte d'entrée est bloquée. Comment rentrer chez moi maintenant? Bah, avec une potion d'explosion de destruction des bâtiments. Je l'ai appelé C4, juste pour vous, monsieur. Les mecs, ils ont... Vous n'aurez plus jamais aucun problème de quoi que ce soit, croyez-moi bien. Votre porte, plus de porte, bon, monsieur. Contre, hein, plus de charpente, plus de mur, plus rien. Passez de quoi acheter une tente entre deux. Voilà. Alchimiste, avez-vous une potion qui ralentisse les mouvements? J'en ai besoin pour chasser des cerfs. T'as l'air suffisamment assez mou comme ça, The Fantasio 9C4, on t'a reconnu avec ton chapeau. Vendez-moi vos potions les plus fortes. Je suis prêt à payer le prix fort. Une potion de Nescargo. Alors, poison, soin, gel. Alors, celle-là, c'est une potion de perché, ouais. De libido. Non, je vais peut-être pas lui vendre ça. Vision magique. Non, je pense pas non plus. Non, ce qu'il te faut, c'est un truc... une potion d'escargotisation. Des lois du marché. J'ai ça. De l'escarguisme. Concocter une potion d'escarguisme. Qu'est-ce que j'ai plus? Ah, j'ai utilisé un caillou de la pyrite tellurique. Aïe, 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 quand tu n'as plus de pyrite tellurique. Je savais que c'était une mauvaise idée de faire des recettes à base de caillasse enregistrées. Ouais, vas-y, alcool, mon pote, hein. Qu'est-ce que tu picoles en ce moment, hein? Ah, on se met la cuitasse de sa vie, hein. Connard, hein. Allez, casse-toi. J'ai besoin d'une potion qui remplacerait une torche ou une lanterne. Alors, j'ai un mec qui s'appelle Mario qui m'a ramené une grosse étoile. Voilà. Généralement, les gens en sont très satisfaits. Hein. Utilisé par les paladins lorsque la foi les quitte. Ouais. Ça, c'est après leur crise de foi. On parle de rire, de larmes, de satisfaction des gens d'aujourd'hui qui ne sont plus... voilà. Instagram, quoi. Au revoir. Au revoir, madame. Eh, 3400, YouTube. Si vraiment je suis pas blindé avec ça, je sais pas ce qu'il te faut, YouTube. YouTube, on est blindé! On se fait une dernière journée de blinde. On espère ensuite que l'autre connard arrivera. Et qu'on pourra faire des choses. Oula, des bananes qui sont poussées dans mon jardin. Jardin magique. Poète, poète, grâce à l'arbre enchanté. Merci, l'arbre enchanté. Oh! Pour une expérience, je dois insuffler de la magie dans un composant. Vous vendez des potions de mana, il me semble. J'ai un ingrédient fétiche. La chanterelle obscure. Ajoutez-en dans la potion et je vous paierai plus cher. En gros, chanterelle obscure, chanterelle obscure, chanterelle obscure, chanterelle obscure. C'est chiant. Je suis même pas sûr que j'ai ça. Chardon tempête, voilà. Ouais, bah non, allez-y, mou mes couilles. Champimage après. Tu m'arranges pas, cousin, hein. Non, mais ça va partir avec... tu prends ça ou rien, en fait. Non, mais j'ai pas ton truc, là. Mais j'ai même pas ton truc, là. Tu casses, tu me pètes le rognon. Prends ta popo et casse-toi. Monsieur est ultra blindé, hein. Parlons des herbes que vous utilisez. Vous savez que c'est des choix de merde qui coûtent une fortune pour rien? Ça vous coûte juste plus cher pour avoir le même produit, vous êtes conscient, monsieur? Voilà. Donc 221 $, tu réfléchiras.
connard. Je voudrais créer un nouveau sort pour faire exploser des choses, mais il me faudrait une potion capable de donner du même effet. Auriez-vous cela en votre réserve? Non, alors nous on a un dépôt de carburant, pas une armurerie en fait, mais bon, j'ai un décap-four. Un décap-four pyrolyseur. C'est le côté pyrolyseur que vous recherchez, madame. Vous savez que dans les mines, on trouve des choses encore plus profondes, plus obscures, plus explosives. On me dit que les nains font des choses incroyables avec du soufre et du charbon. Au revoir, madame. J'ai besoin de potions qui peuvent m'aider à éteindre un incendie dans ma maison ou un feu dans mes champs. Alors, ça, c'est peut-être à cause de votre voisin, monsieur. Laissez-moi deviner. Est-ce que vous n'habiteriez pas à côté d'un mec qui, hier, cherchait ses clés, par hasard? Parce que... peut-être moyen que ce soit... il y a un lien, c'est possible. Qu'est-ce qu'on dit d'une petite potion de 1 de refroidissement de l'anal? Moi, je pense que c'est pas mal. Ça vous cause, monsieur. Bon, étant donné que c'est votre maison vraiment qui est en train de cramer, peut-être à cause d'un alchimiste quand même pas très regardant, moi, je propose de vous faire ça au prix maximal, quoi, 112 balles. Alors, au revoir, bonne journée. Mon bâton n'a presque plus aucun pouvoir d'enchantement. J'ai besoin d'une potion capable de le restaurer. Bien sûr, des potions de mana, des potions de mana, des potions de mana, bien sûr. Tenez, on n'a jamais assez de potions de mana. Ça se négocie bien, ça. Lecture, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Travaillez sur quoi? 1000 créatures, sorcellerie, massacre dans les donjons... Ok. Bisous. Bien le bonjour, alors que puis-je pour vous? Vends-moi des champignons utiles, s'il te plaît, bro. C'est de la merde. Ça c'est formidable, je prends tout. Les 5, ouais, vas-y, je prends... Négocier des champis avec toi. Ouais, on va parler champis. Tes champis sont un peu chers, bro, hein, quand même. Hein. Un peu capitaliste hein, pour un vieux qui vit dans la forêt dans les champignons. Hein, un peu. Hein. Terminer le dialogue. On est un peu plus riche, ton tube. Oh, on est trop blindé. Fais voir qu'est-ce qu'on peut s'acheter. Pratique alchimique. Le rayon de visibilité m'intéresserait plus. Commerce m'intéresserait plus. Je dois enchanter des objets pour faire briller dans le noir. J'ai besoin d'une potion qui possède... un effet similaire. Est-ce que je vous ai déjà parlé d'un dénommé Mario? C'était mon plombier. T'es sympa, hein? Waouh! Ah oui, on peut te parler des cailloux qui brillent dans les mines aussi, hein? Pouf! Oh, j'étais nerveux. J'ai besoin d'une potion qui m'aidera à allumer un feu rapidement et en toute fiabilité lors d'une campagne. Je vous paierai plus cher pour une potion aux effets multiples. Je crois que j'ai un truc qui fait ça. Je crois que j'ai un truc qui boum feu en même temps... Voilà, la grenade d'extermination des ghouls, ma bonne dame. Alors, il est en forme de panneau danger. Méfiez-vous. C'est un peu spatial, un peu spatial. Je suis disposé à acheter cette potion, mais je voudrais y ajouter quelques effets. Non. Non, ça brûle et ça explose quand même. Hein. À un moment donné, casse-toi. Je me gratte beaucoup en bas. Là, vous voyez le tableau. Hein. Vous avez quelque chose pour me soulager? Alors, j'hésite. Elle ne veut pas ça. Elle ne veut pas une potion de sesque. D'accord. Prends ta potion de soin. Alors, comme ça, on a le ruminant qui gratte. Ah ouais. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait, madame, le soir? Madame est pas sage? Bisous, bisous. Pas partout, du coup. J'ai besoin d'une potion qui brille dans la nuit. Oui. On va finir par juste installer des potions magiques dans les rues de la ville. Hein. Ça ira plus vite, je pense. Mm-hmm. Parlons lecture. Alors, qu'est-ce qu'on invoque en ce moment? Du Goldberg? Bisous, bisous. Bisous, bouillon. Et ben voilà, hein. ça fait des journées, on a un peu de pognon. Voilà, 4009, là, YouTube, on est bien, là, on attend impatiemment. On attend patiemment le vendeur, l'enchanteur, et franchement, on pourra repartir bien. Hein. Bon, sur ce, Shina vous fait des bisous, parce qu'il veut jouer à Wartale. Des bisous. Bisous. C'est à peu près ça.